Good afternoon, everyone. Thank you for being here. Comme vous le savez, la session parlementaire du printemps s'est terminée la semaine dernière. Aujourd'hui, au moment où beaucoup de députés rentrent chez eux, je veux prendre un instant pour revenir sur ce que nous avons accompli pour les Canadiens durant cette période. L'automne dernier, nous avons été élus sur une promesse de faire plus pour aider les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Si on revient sur les 7 derniers mois, et surtout si on regarde le budget annoncé en mars, on constate que nous avons tenu cette promesse. It's a promise to people, to begin, spend, and end, each and every day thinking about how to help Canadians. Now, I don't want to overstate things. There is more work ahead of us than there is behind us, as I've said many times. But there are three big things that we have been able to follow through on, three very significant promises kept, and I want to touch on those three things today. The first is the middle class tax cut. 1 month after taking office, we introduced legislation that would cut taxes for the middle class and raise taxes on the wealthiest 1% of Canadians. Ça veut dire qu'au cours des 6 derniers mois, presque 9 millions de Canadiens ont plus d'argent dans leur poche. Plus d'argent pour payer leurs hypothèques, démarrer leurs propres entreprises et prendre les vacances qu'ils méritent depuis longtemps. Plus d'argent pour épargner, investir et faire croître l'économie. Nous avons tenu une deuxième promesse en instaurant la nouvelle allocation canadienne aux enfants. Nous avons promis aux Canadiens un système de prestations plus simple que celui qu'elle remplace. Grâce à l'allocation canadienne aux enfants, 9 familles sur 10 recevront un chèque mensuel non imposable et plus généreux qu'avant. The Canada Child Benefit fulfills these promises. Once the legislation implementing the Canada Child Benefit receives royal assent in the next few days, the benefit payments will start to arrive in family bank accounts just a few weeks from now. And we're already hearing from families about the ways they'll put that money to good use, buying healthier groceries, using it to pay for kids' summer programs, and helping to save for back-to-school clothes. For hundreds of thousands of Canadian kids, the Canada Child Benefit will also be a ladder out of poverty. It's not only about giving families more support. It's about creating more opportunities and giving more Canadian children a real chance to succeed. The third big promise we've kept is to strengthen the Canada Pension Plan. Nous avons entendu les Canadiens. Nous avons entendu les histoires des gens qui, après avoir travaillé fort toute leur vie, se demandent à quel moment ils pourront prendre leur retraite. Dans certains cas, ils ne savent même pas s'ils seront en mesure de prendre leur retraite. Ça ne marche pas. Tous les Canadiens méritent une retraite sûre et digne après avoir passé leur vie à travailler fort. C'est pourquoi nous avons rencontré les représentants des provinces et des territoires plus tôt cette semaine pour arriver à une nouvelle entente. We know that right now, fewer than 4 in 10 Canadian workers have access to a company pension plan. For people in their 40s and 50s, the idea that they might outlive their retirement savings is a real concern. For younger Canadians, the worry is more existential. They simply don't believe that the CPP will be around when it's their turn to receive support. That's why the agreement we reached with the provinces and territories is so important. It's a big step towards ensuring the long-term strength of the Canada Pension Plan so that it can continue to provide adequate income security for generations to come. Our government believes that the promise of a secure retirement is a promise we can keep. More than that, it's a promise that we must keep. For every person who has worked hard their whole life, for our own parents, for young people just entering the workforce, for ourselves, and for our kids and grandkids. Along with the middle class tax cut and the Canada Child Benefit, this week's CPP agreement represents real progress on our mandate. They show that our government is serious about delivering the kind of real change that Canadians want
and need and voted for. We told Canadians that we would do all we can to strengthen and grow the middle class and to provide Canadians with a more secure retirement. Nous avons passé les sept derniers mois à faire ce que nous avions dit que nous ferions. Mais le plus important, c'est que des millions de Canadiens bénéficient déjà de ces promesses tenues. Et nous sommes impatients de faire encore plus pour les Canadiens dans les mois et les années à venir. Merci encore d'être là. Je suis maintenant heureux de prendre vos questions. Ottawa citizen. Yes, Prime Minister. I wanted to ask you, in the last federal election, you committed to both not buying the F-35 as well as to hold an open competition. Can you update us on both of those commitments? Canadians expect our government to deliver the equipment that our Canadian forces need to keep Canadians safe and indeed to protect us while fulfilling our international commitments, and to do so in the right process and at the right price. As many of you know, the procurement process, particularly for the jets, had been significantly messy over the past years. And our ministers, Minister Sajjan and Minister Foote, are working extremely hard to ensure that we deliver to our Canadian forces the jets they need in a responsible and in the right way. So as a follow-up, does that mean that there's no commitment to a competition now? There's been an awful lot of speculation in the media, rumors going around about this or that. We are working very, very hard and thoughtfully to ensure that we deliver to our forces the right jets, the right way at the right price. That's what Canadians expect of us, and that's what we're going to be doing. Le gouvernement fédéral s'apprête à bloquer plusieurs chantiers importants dans la région de Montréal pour protéger une espèce de grenouille en danger. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié? Les Canadiens s'attendent à ce qu'on fasse deux choses en même temps. Qu'on crée une économie plus prospère pour tous et qu'on protège l'environnement. C'est quelque chose que les gouvernements dans le passé n'ont pas toujours fait les deux en même temps, mais quelque chose auquel les Canadiens s'attendent que nous fassions. Nous allons faire cela. Nous allons protéger l'environnement tout en créant la croissance économique parce que c'est la seule façon de créer un avenir meilleur pour les Canadiens. On va protéger l'environnement, les écosystèmes nécessaires, et on va trouver des façons aussi de permettre aux emplois et à la création de prospérité. Sur un autre sujet, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des dirigeants d'Air Canada qui ont dit devant un comité sénatorial hier que, en fait, ils ont menacé d'annuler le deal avec Bombardier et de créer des centres d'entretien pour ces avions-là? Est-ce que vous pensez que c'est adéquat comme façon de faire? C'est une question pour Air Canada, mais nous avons toujours été très clairs que nous devons de travailler ensemble pour assurer une industrie aéronautique au Canada et partout au Canada qui est en santé maintenant, dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme. C'est des bons emplois. C'est une source de croissance économique et d'innovation et nous nous engageons à travailler très fort avec bien des partenaires dans l'industrie et à travers le pays pour s'assurer qu'on crée ces emplois de bonne qualité. Sun News. Good afternoon, Prime Minister. I wonder if you're just looking ahead to your NATO meeting. I wonder if you just talk about, well, I'm sure there's going to be some discussion about Russia and President Putin. What's your thoughts? Is Russia becoming more or less dangerous, more of a threat to European peace, world peace generally? What do you think about Vladimir Putin and what might you be telling our NATO partners about your assessment? One of the commitments that we made was to Canadians over the course of the last election, and we have been delivering on, is to re-engage Canada and the world in positive ways, whether it's fixing the relationship with the United States, folding in a strong relationship with Mexico into a continental approach, re-engaging with the UN, and yes, indeed, cautiously re-engaging with people we disagree with.
As I've said many times, as I reiterated just last week in talking to the Ukrainian Business Council as I was announcing our upcoming visit to Ukraine, we have real concerns about Russia and about its actions, and we will be thoughtful and firm, as I have always been, on how we re-engage with Russia. I'm hoping you might fine-tune things a bit. Brian Mulroney, of course, one of your predecessors, on Monday night, I'm quoting him now, he said, what we cannot do is talk about Canada being back in the world without making tangible commitments that will anchor our aspirations. He was speaking specifically in context of NATO. I wonder, could you perhaps, to folks like former Prime Minister Mulroney and others, give some examples of what tangible commitments Canada might be expected to make to prove that we're back? Canada is a strong member of NATO, and I very much look forward to my visit in a few weeks, where we will have more to say about how we will continue to live up to our responsibilities and, quite frankly, to the expectations that people have around Canada. But whether it was strengthening our commitment to training as a part of the coalition against ISIL, whether it's committing to peacekeeping and to be part of the renewed peace operations that President Obama is encouraging at the United Nations, or in many other ways around development financing and action on climate change. Canada is very much engaged in a positive way with our allies around the world to ensure that we are having a positive impact, and that that positive impact continues to bring benefits in more security, more peace, and more economic opportunities for Canadians here at home. Monsieur Trudeau, ça fait maintenant 8 mois que vous êtes au pouvoir. Il y a des priorités que vous avez mis de l'avant. Vous avez mentionné CPP, les trucs de la classe moyenne. Il y a d'autres dossiers qui sont plus complexes. Qu'est-ce que ces 7 mois vous ont appris sur l'exercice du pouvoir? Que l'important, c'est de livrer sur les promesses à cœur de la confiance que les Canadiens nous ont donnée en tant que gouvernement. On a parlé beaucoup de la croissance pour la classe moyenne pendant la campagne électorale. Et avec les 3 mesures que nous avons réussi à faire pendant ces derniers mois, d'augmenter les impôts pour la classe moyenne, de diminuer les impôts pour la classe moyenne en les augmentant pour les 1% les mieux nantis, de donner une allocation canadienne aux familles qui va donner plus d'argent dans les poches de 9 familles sur 10, et ce, à partir du mois prochain, et d'assurer l'avenir et la bonification du régime des pensions du Canada. Nous avons livré sur des enjeux clés économiques pour le pays. Maintenant, il y a un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois, sur lequel on ne vous a pas du tout entendu. Vous dites souvent, on est en 2016, vous vous décrivez comme un premier ministre féministe. Est-ce qu'au Canada, le temps est venu de permettre à la femme du premier ministre de jouer un rôle plus actif, plus officiel, avec les ressources qui viennent avec, plutôt que de s'en tenir à avoir un débat sur les modèles des décennies passées? Tout à fait. Je suis très fier du travail que Sophie fait depuis longtemps pour la cause de la femme, pour des enjeux par rapport aux enfants, pour bien des préoccupations et des œuvres caritatives à travers le pays. Et elle continue d'avoir énormément à offrir, pas juste au gouvernement, mais aux Canadiens. Nous travaillons pour s'assurer qu'elle va pouvoir continuer de faire le travail qu'elle fait. Mais nous reconnaissons aussi que le choix devrait être libre. On ne devrait pas imposer à de futurs premiers ministres et à leurs époux de devoir suivre un modèle particulier. Je pense que les gens reconnaissent que différentes familles vont avoir différentes solutions, différentes capacités, et de garder une mesure de flexibilité pour répondre à la façon qu'on veut servir, je pense que c'est une bonne chose. Toronto Star. I guess we're going to soon hear from your government about the mandate for the missing and murdered Aboriginal women inquiry. I'd like to know from you what outcome you want to see from that, what concrete outcome, and what for you success looks like. I think there's a
few pieces that need to come out of the National Public Inquiry onto missing and murdered Indigenous women and girls. The first one is we need to offer justice for the victims. For too long in this country, Indigenous women and girls have gone missing without much notice, without much reaction, without society in general realizing the tragedies that are among us. And making sure that we are acknowledging this tragedy and responding to the lives lost and the families devastated is going to be an important element of that inquiry. Secondly, to offer families an opportunity to heal, to acknowledge and hear acknowledged their loss and share their stories in a meaningful way that will help with the process of coming to grips with unspeakable tragedies. And finally, I expect that this national public inquiry will clearly set a path forward to end this ongoing national tragedy, to look at ways to prevent this from continuing, from happening again, ways that different all levels of government and institutions and communities right across the country can work to ensure that we learn from this terrible tragedy that has gone on for over 30 years and that we ensure that it doesn't happen anymore. And we have seen your government has recovered in the polls after your elbow incident with Madame Brosseau. We haven't heard you speak directly about that, but I'd like to understand what was going through your head at that time. I think you've all heard me apologize and take responsibility for what was a mistake, and that's what people expect of each other, and it's what they should expect of their leaders, that when you make a mistake, you own up to it, you recognize it, and you work very hard to learn from it and move forward and make restitution if necessary. And I think we can certainly note that as the House rose last week, the tone was significantly more positive. We managed to work together on a number of issues, whether it's launching the Electoral Reform Committee that's going to get to work throughout the summer, whether it was a level of collaboration within the House and even with the Senate on passing the medical assistance in dying legislation. I think people have noticed that we are working very hard to continue to live up to the high expectations that Canadians have of this government and of parliamentarians in general, and are not above you know, acknowledging when we've made mistakes and working to fix them. Global. Yeah, sure. On the meeting with Mexico coming up, with the visa regulation, what do you hope that will open in terms of renewing relations with Mexico? Exactly 1 year ago today, I gave a speech just before summer from my role as third party leader on how it was essential to restore relations with our largest trading partner, the United States, and to fold in Mexico as part of the opportunities for growth and the opportunities for Canadians that we needed to have, whether it was on climate change, whether it was on growth, clean growth. We needed to make sure that we were engaging in a constructive and productive way with our NAFTA partners. And that's exactly what I'm looking forward to with the upcoming state visit from Mexico, as we work to fix some of the challenges that have been going on for too long, like the visa issue, but also look at other issues that we can work together on, collaborate on, and create opportunities for both of our peoples. I look forward to having a lot more to say about the outcomes of next week's meetings as we get closer and through them. Just as a follow-up, at the NATO summit, or I should say your predecessor, seemingly said to Vladimir Putin, I'll shake your hand, but only if you get out of Ukraine. If you have the time to meet
Mr. Putin face to face, what will your first words be to him? The first time I met Mr. Putin was at the G20 7 months ago. And as many of you know, I had a fairly direct exchange with him where I pointed out that his actions in the Ukraine were illegitimate and irresponsible, and we were expecting them to abide by the Minsk agreements and move forward in a constructive way. And that's exactly where we continue to stand in our engagement with Russia. Cogeco. M. Trudeau, j'aimerais qu'on regarde les 7 derniers mois. Qu'est-ce que vous auriez aimé accomplir que vous n'avez pas pu accomplir au cours de ces 7 mois et qu'est-ce que vous regrettez de cette session? Une des choses que j'ai dû rappeler à mes ministres plusieurs fois pendant cette session, parce qu'ils sont arrivés avec énormément de capacités, de motivation, d'enthousiasme, c'est que on a quand même 4 ans dans un mandat et qu'il ne faut pas tout accomplir ou s'attendre à tout accomplir dans les premiers mois. On a accompli 3 grosses choses pour les Canadiens, c'est-à-dire de baisser les impôts pour la classe moyenne, créer une nouvelle allocation pour les familles qui sera plus généreuse et de bonifier le régime des pensions du Canada. Ça, c'est 3 grandes choses qu'on a faites. On a fait d'autres choses aussi. Il y a encore beaucoup de choses à faire et on va continuer à travailler sur les enjeux à venir. Par rapport à Bombardier, est-ce que là, on peut dire que négociez-vous encore ou c'est comme si ça marche pas, ça marchera pas, puis le chien est mort pour Bombardier? On continue d'être engagé avec Bombardier. Comme j'ai dit bien souvent, je crois profondément à l'importance de l'industrie aéronautique au Canada, pas juste au Québec, mais à travers le Canada, parce que c'est des bons emplois, parce que c'est une source d'innovation et de prospérité pour les communautés et pour le pays. Mais c'est important que les choix qu'on est en train de faire seront bons, pas juste pour le court terme, mais pour le moyen et le long terme de cette industrie. Et c'est dans cette perspective-là qu'on continue à être engagé avec Bombardier, avec d'autres partenaires dans l'industrie aéronautique. As far as you're aware from your officials, have Canadian companies done enough to prepare for the risks of a possible Brexit? Like many folks, I will be watching attentively the outcome of that referendum, but it is up to the people of Great Britain to decide on their future. I've made no bones about the fact that I always believe that we are stronger together. I will allow the people of Great Britain to make their own determination tomorrow. Obviously. Secondly, on that point, what are your officials doing to prepare for Brexit and the possible damage it could do to the implementation of CETA, which of course is a big file for you? We are, of course, working very, very hard on moving forward with CETA. It's a good deal for Europe. It's a good deal for Canada. It's something that on which we had to do significant work over the past months in order to continue to advance because there were real concerns and blockages amongst many partners. And of course, Great Britain has always been a strong and positive voice around the European table in support of CETA. So we certainly hope that the outcome of tomorrow will continue to assure that CETA has as many strong voices in support of it as we move forward towards ratification and implementation of an important deal for Canadians, for jobs, and for our shared future. Presse canadienne. Bonjour, M. Trudeau. Selon ce qu'on comprend, le communiqué que vous avez envoyé la semaine dernière par votre ministre du Commerce international, malgré les 100 jours de négociations intensives sur le dossier du bois d'œuvre, il n'y a toujours pas d'entente. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une entente à l'issue de la rencontre avec M. Peña Nieto et Obama?
Comme tout le monde le sait très bien, c'est un enjeu extrêmement difficile qui a longtemps été un grand défi pour le gouvernement canadien dans la façon qu'on s'engage avec le gouvernement américain. C'est évidemment quelque chose de très positif qu'on ait maintenant de très bonnes relations avec le gouvernement américain, mais reste que c'est un dossier sur lequel nous sommes en train de travailler de façon très attentive, mais on n'a pas d'annonce positive à faire encore. Dans un autre dossier complètement sur l'aide médicale à mourir, vendredi dernier, votre gouvernement a réussi à faire adopter le projet de loi C-14. Il y a des sénateurs qui ont voté à contre-cœur en disant avoir l'impression d'abandonner des patients qui ne sont pas en phase terminale, mais qui voudraient se prévaloir de cette aide-là. Il y a déjà des contestations qui se préparent au Québec. Est-ce que c'est normal et acceptable qu'une loi comme ça laisse en plan une partie de gens qui souffrent terriblement? C'est une grande étape pour le Canada que de créer un encadrement pour l'aide médicale à mourir. C'était très important pour nous d'entreprendre cette étape avec le plus de réflexion et de responsabilité possible. Les Canadiens s'attendent à ce qu'on fasse deux choses. Qu'on défende leurs droits et libertés, leur liberté de choix, mais aussi qu'on protège les plus vulnérables. C'est toujours un équilibre que nous devons garder à l'œil, garder à cœur, parce que les vies de bien des gens sont dans la balance. Nous allons tous, en tant qu'individus, en tant que membres de famille, faire face à des décisions difficiles dans les années à venir. Et pour moi, l'important, c'est de pouvoir établir un encadrement qui respecte la grande variété de perspectives qu'on a vues au Canada, mais qu'on avance sur quelque chose qui, c'est certain, va soulever des questions des deux côtés. Et nous allons voir comment les Canadiens vont vivre et fonctionner dans ce nouvel encadrement dans les mois et les années à venir. Sûrement qu'il va avoir des pressions, des questions, des études qui vont continuer. Mais je pense qu'on peut tous être très satisfaits de cette première étape qui a été bien prise de façon respectueuse et responsable. On m'indique que ça se termine. Est-ce que vous avez le temps pour une autre question? Une dernière question. OK. Canadian Press. Prime Minister, thanks for taking the question. You announced methane cuts with the United States when you visited in March. Of course, President Obama is leaving this year, and I'm just wondering how important it is to get Mexico to sign on to these methane emission cuts to kind of lock in that deal, and if there's anything else specific you're looking for from the three amigos. Obviously, climate change and clean growth initiatives are going to be at the heart of many of the discussions we'll be having that we have been having with our continental partners, but the discussions we'll be having at the North American Leaders Summit. It'll obviously include discussions around the historic methane agreements that we came to between Canada and the United States when I was down in Washington a number of months ago. But these and other issues will be things that we are looking to align ourselves, the three partners in NAFTA, as closely as possible to demonstrate that in North America we understand how creating growth that benefits our citizens and protecting the environment for future generations are not opposite goals, but are very much complementary in the 21st century. And I look forward to strong and robust trilateral discussions on these issues next week. You responded a little bit to this, but as the son of a prime minister, you probably had fewer illusions about this job than some coming in. But I'm wondering what you learned in your first 8 months. Were there any revelations? You know, I've been focused since my very beginnings in Papineau on being a good MP, on listening to Canadians and serving the folks who've put me in this position to be able to deliver. And we've built a team of people very much focused on exactly that, on demonstrating that a thoughtful, responsible,
value-driven group of people who come together to serve the country that they love so well in a positive and respectful way can very much achieve meaningful things for Canadians. And on the three things that we were able to achieve of significant impact on the lives of Canadians, for lowering taxes for the middle class, to helping families with the cost of raising their kids with the new Canada Child Benefit, are securing pensions for the future, not just for people who are approaching retirement age now by lowering the age of retirement from 67 to 65, by increasing the GIS by 10% for the most vulnerable low-income seniors, but indeed by assuring with a strengthened CPP that people who are right now just entering the workforce in their 20s and 30s can be confident that they will have level of retirement security 40, 50 years from now is exactly what governments can do when we listen to people, when we work hard every day to serve them, and when we always believe that better is possible. Merci beaucoup tout le monde. Thank you very much.